Good morning, allez, Idan, les sutras aujourd'hui, le lien chemin vraiment des Rabbi Ben Israël, Vafani et Dvora, Bat Esther. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étions à Massachati, Ramot Peri Gimel, Mishnachet. Bekulan Chayou, Baen Kedushin, O Girushin, Besafek, Arielu, Tsarot, Holtzot, Velo Mityab Mot. Keitzad, Safek Kedushin, Zarakla Kedushin, Safek Karovlo, Safek Karovla. Zou Safek Kedushin, Safek Girushin. כתב בכתב ידו ואין עליו עדים, יש עליו עדים ואין בו זמן, יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד, זהו ספק גירושין. On se réfère à toutes les 15 nashim potrot tsarotehem. Soit on parle qu'il y a des co-épouses dans une maison, c'est-à-dire un homme qui est marié à deux femmes, et qu'une de ces deux femmes, elle a un lien de parenté avec le frère, avec son beau-frère. D'accord? Par exemple, on va prendre un cas. Réhouven et Shimon, et qui sont deux frères, et Réhouven, il a deux filles, il a deux femmes, une qui s'appelle Rachel, et l'autre qui s'appelle Dina. Dina, c'est la fille de son frère, c'est la fille de Shimon. D'accord? Donc il a deux femmes. Quand Réhouven décède sans enfant, il a maintenant Rachel et Dina qui se retrouvent devant Shimon en guise de hiboum. Maintenant, Shimon, il est évidemment exclu qu'il fasse le hiboum à sa fille. Il ne peut pas se marier avec sa fille. C'est une inceste. C'est un cas d'inceste, que c'est interdit, d'accord? C'est une courva. Maintenant, le Hidouj et la Mishnah, depuis le début de la Maserhet, c'était de nous dire, ben, puisque elle ne peut pas faire le hiboum, alors même sa co-épouse ne pourra pas non plus faire le hiboum. Même sa tsara, elle ne pourra pas faire le hiboum, elle est poter et tota. Maintenant, notre Mishnah elle va nous apprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe si elle n'est pas... Elle est à moitié mariée, c'est-à-dire qu'elle est à moitié mariée, la fille, en l'occurrence, la fille de Shimon, elle a un safek kidushin, ou safek girushin. Il lui a donné un kidushin, mais qui est problématique, qui n'est pas évident ce qu'elle a fonctionné. Ou encore, il a divorcé, mais pas de manière évidente. En l'occurrence, la Mishnah va nous expliquer, donc on va dire directement. Et le but de la Mishnah va dire, bon, puisque c'est une situation de doute, est-ce que c'est sa fille, ou est-ce que sa fille, elle était mariée à Réhouven ou pas, par exemple, il a fait un masek kidushin qui était problématique, c'est pas... ouais. Eh bien, il s'avère que maintenant, Rachel, qui est la... peut-être la co-épouse de Shimon, de Dina, eh bien elle ne pourra pas faire le hiboum, elle devra quand même faire la khalitsa, parce qu'il faut prendre l'éventualité que peut-être que Dina n'est pas été mariée, donc Rachel, elle est l'unique femme de Réhouven, et elle doit faire la misa de hiboum, donc on lui fera, dans le doute, on lui fera la khalitsa. C'est ce que la Mishnah nous enseigne sous plusieurs aspects, en fait. Et on commence avec la première série, « Vekulan shayuben kidushin o gerushin misafek » Dans tous les cas de figure, tous les cas de Hamash Esrenachim, tous les cas de liens de parenté, des femmes qui sont interdites, que Shayu Ben Kiddushin au Girushin, que le frère défunt a fait des Kiddushin au la divorcé Besafek, avec un massé, avec un acte douteux, est-ce que ça marche ou pas, il y a un doute dessus. Are Elu Tsarot Rolzot Velomitimot, les co-épouses devront, en l'occurrence, faire la Khalitsa. Mais pas faire le hiboum, elles ne pourront pas avoir, se marier avec le beau-frère, parce que dans l'éventualité où elle n'avait pas de misa de hiboum, parce que c'était réellement sa femme, le frère qui va aller avec elle, il est interdit de carrette d'aller avec sa belle-sœur s'il n'y a plus de la misva. Donc elle devra quand même faire la khalitsa, retirer la chaussure, comme on apprendra plus tard, comment est-ce qu'on fait exactement. Comment se présente le cas Keitzad Safek Kidushin, comment se présente le cas de Safek Kidushin? Alors on a un cas simple, Zarakla Kidushin, Safek Karovlo, Safek Karovla, Zou Safek Kidushin. Soit... il lui a jeté les kiddushin. On a un doute, est-ce que c'est arrivé à proximité de lui ou à proximité d'elle? C'est ça le cas de Safek Kiddushin. Soit, je reprends le cas, vous savez, pour marier, on donne une bague à une femme. Ça, c'est quand la choupa, elle se passe bien. Mais des fois, la choupa, elle ne se passe pas facilement. Ou le mari, il va jeter les kiddushin à la femme. Ne me demandez pas pourquoi, il peut avoir mille une raison. Au lieu de lui mettre une bague, il peut prendre une pièce d'argent, lui dire arrête le coup de châtelet et il lui jette dans sa direction. Maintenant, supposez, on va tout de suite dire le cas qu'il faut, supposez qu'ils ont en fait 8 amotes d'écart. Vous savez que quand vous êtes dans le Rishut Arabim, tout ce qui est dans vos 4 amotes, si vous décidez de l'acquérir, ça vous appartient. Ouais, vous trouvez un billet de 100 shekels dans la rue, et il y a dans vos 4 amotes, vous dites, un ikon notam barba amot. Même si vous dites, vous le pensez, vous allez être déjà avoir le kinyan arba amot. Quand les 4 amotes qui sont autour de vous, c'est à vous. En l'occurrence, il y a donc, maintenant, il se retrouve avec il a sa femme qui est à 8 amas, il lui jette la pièce et on en doute est-ce qu'elle est rentrée dans son périmètre ou elle est restée dans mon périmètre. Est-ce qu'elles sont passées les 4 amotes
où elles sont restées dans mes quatre avotes. On a eu un doute, on n'a pas eu le temps de voir la solution. Ça peut être tout cas de figure, d'accord? Pourquoi on se retrouve dans une situation pareille, qui le jette, qui le chine? Du plus farfelu au plus. Imaginez un cas, je sais pas, moi, il est sur le point de monter dans un train pour partir et être pris en prison, je sais pas. D'accord? Il le fait des kiddushin comme ça. Donc maintenant, il y a un doute avec qui elle est mariée. Ça fait Karola, ça fait Karola. Alors, dans le doute, puisque maintenant, on a un doute est-ce qu'elle était mariée, il s'avère, ça c'était Adina qui a fait ça, il s'avère que maintenant, Rachel, elle a peut-être une co-épouse qui va lui l'invalider de la mitzvah de Iboum. Donc dans le doute, il faudra faire la Khalitsa. C'est ça le cas de Safek Girushin. Safek Girushin, c'est quoi un cas de Safek Girushin? Un cas où il y a un doute de Girushin. Alors en théorie, si vous réfléchissez tout seul, vous allez vous dire, ben, c'est simple. Il a, à la place de lui jeter la pièce, il lui a jeté le guet. Au lieu que le guet, il arrive, on a un doute, est-ce qu'il arrive dans les quatre mois de lui ou de elle? Ça, on aurait pu le faire, effectivement. Mais la Mishnah, elle est partie chercher encore plus compliqué. La Gemara explique comme ça en final. Et donc c'est pour ça qu'on va parler en fait. La Mishnah est venue nous apprendre en fait, des cas où il y a un doute est-ce qu'il a fait des girushin, mais parce qu'il a fait, il a donné un guet qui fonctionne selon la Torah, mais qui ne marche plus midrabanan. Les Chachamim sont venus nous dire. Donc même si le guet fonctionne selon la Torah, donc il a divorcé sa nièce, Dina, la fille de Shimon, en théorie elle a divorcé selon la Torah. Mais Chachamim ils ont dit non, ce guet-là on ne tolère pas, puisqu'on se retrouve avec un guet qui est invalidé midrabanan, comme on va voir tout de suite. Eh bien, il s'avère que maintenant, on va considérer que Rachel, elle est encore coépouse avec cette Dina, qui a été mal divorcée, et dans ce cas-là, à Rachel, on le fera la Khalitsa. Comment se faisant ces trois cas? Il y a Katav Biktav Yado Ven Alavedim. Il l'a écrit à la main, mais il n'a pas fait signer des témoins. Ça, c'est un guet qui fonctionne, Minatora, mais que Midarabanan, il faut que les témoins signent dans le guet. Ou encore, Yesh Alavedim Ven Bozman. Ou encore, il y a des Edim qui ont signé, mais il n'a pas écrit de Zman. Il n'a pas écrit la date. En théorie, le guet, il fonctionne selon la Torah. Chachamim ont invalidé ce guet. Pour plusieurs raisons. Quand on étudiera Guitine, on expliquera pourquoi Chachamim ont invalidé un guet qui n'a pas de date. D'accord? Sinon, on risquerait de couvrir toutes sortes d'adultères. Imaginez que sa femme, elle a eu un écart. C'était sa nièce, en réalité. Elle est mariée à sa nièce. Donc sa femme, elle a eu un écart. Elle est partie avec quelqu'un d'autre. Maintenant, les gens vont dire, ah, mais c'est un mamzer. Donc, du coup, il va vouloir, malgré tout, même s'il est en colère contre elle, il va vouloir la couvrir en écrivant un guet sans date. Il va dire, non, mais en fait, elle est déjà divorcée. Comme ça, on ne va pas la tuer, parce que s'il y a un adultère, alors il faut la tuer. En théorie, s'il y a des témoins. Et du coup, il va lui écrire un guet, comme ça, il va la protéger qu'elle ne va pas se faire tuer. C'est pour ça que Ramim a instauré qu'il faut écrire le guet, la date dans le guet. Ensuite, troisième cas de figure, Yesh Bozman, il y a la date, mais Ven Boelaide Khadik, c'est le témoin. Dans tous ces cas de figure, ça fait qu'origine, c'est ça le cas de ça fait qu'origine que, selon la Torah, en réalité, elle est divorcée. Si elle est divorcée, la femme, Rachel, a le droit de faire le hiboum. Ramim on dit, on invalide ce guet, de ce fait, elle n'est pas divorcée, de ce fait, Rachel, elle ne pourra plus faire le hiboum, elle devrait quand même faire la khalitza. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha comme tout, c'est là.